voulez pas avoir des mauvais clients, si vous voulez avoir que des bons clients, faites comme monsieur, soyez sympa, servez un super repas parce que c'était délicieux. Soyez sympa avec les clients et mettez de l'humour. Aujourd'hui, place Stanislas à Nancy, qui est un endroit absolument magnifique, aussi célèbre que la Tour Eiffel. Et demain, je vais donner ma conférence pour le salon de l'entreprise Lorraine. La statue de Stanislas, le bienfaisant. Elle est extraordinaire, elle est noire de monde, il y a du monde partout, c'est la folie. Je me suis rasé, je me suis lavé les dents, j'ai pris mon petit déjeuner. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, puisque le salon a déjà commencé. Et donc, on se rend au Stade Picot pour un événement spécial aujourd'hui, le salon de l'entreprise. Me voilà au salon de l'entreprise où je vais donner ma conférence dans quelques instants. On a tout vérifié. Alors il va chercher la carafe d'eau et vous la porte. Ça c'est du bon service client. L'attente, les gens ont horreur d'attendre. Les gens ont horreur d'attendre. Ça les énerve d'attendre. Alors je vous parle même pas de monsieur Kant parce que lui, il reviendra jamais chez vous. Les procédures dans une entreprise doivent s'appliquer strictement parce qu'elles sont le rempart, la garantie de l'entreprise. Sauf si elles font fuir les clients et qu'ils lui disent « Chérie, 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 attends, attends, on a tout acheté ici, sauf le fromage. » Le témoignage de madame. Ouais. Une très belle intervention. Nous sommes dans le métier de l'intérim, mais c'est vrai qu'on aurait besoin de coachs comme vous. Ah bah oui. Franchement. La conférence est achevée, maintenant un petit peu de réconfort.